This YouTube video consists of three steps. Number one. First, listen to French. Number two. Understand the meaning in English translation and then listen to the French word by word. Number three. Actually pronounce and shadow the words. If you can't understand or find it difficult to pronounce, it is recommended to repeat the process. Number one. Listen to French. La préparation du gâteau D'accord, faisons un gâteau. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante et mettons-le dans un bol avec le sucre. Maintenant, en mélangeant rapidement, rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Regarde, ça commence à se rassembler. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. C'est bien, ça a l'air bien. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Voilà, c'est comme ça, non Mélangeons doucement avec un fouet. C'est ça, et ajoutons de l'extrait de vanille pour donner une belle odeur à cette pâte. Ça sent bon. Alors, Ajoutons du lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse. C'est vrai. Il faut aussi préchauffer le four. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four. C'est le meilleur, n'est-ce pas Voilà, verse la pâte dans le moule à gâteau, et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Cette odeur me donne faim. Le gâteau est cuit. C'est une belle réussite. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée et des fruits sur le dessus. Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin, il sera parfait à l'œil. Je ne peux pas attendre pour le manger. Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde. 2. Listen to each word. La préparation du gâteau making a cake la préparation du gâteau la préparation du gâteau la préparation du gâteau d'accord, faisons un gâteau. okay, let's make a cake. d'accord, faisons un gâteau. d'accord. Faisons un gâteau. D'accord, faisons un gâteau. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. We need butter, sugar and love. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante. Yes, yes, let's start by bringing the butter to room temperature. Oui, oui, commençons. Par ramener le beurre à température ambiante. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante. Et mettons-le dans un bol avec le sucre. And put it in a bowl with the sugar. Et mettons-le dans un bol avec le sucre Et mettons-le dans un bol avec le sucre. Et mettons-le dans un bol avec le sucre. Maintenant, en mélangeant rapidement. Now, while mixing quickly. Maintenant. En mélangeant rapidement. Maintenant, en mélangeant rapidement. Maintenant, en mélangeant rapidement. Rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Let's make this butter and sugar creamy. Rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Regarde, ça commence à se rassembler. Look. It's starting to come together. Regarde. Ça commence à se rassembler. Regarde, ça commence à se rassembler. Regarde, ça commence à se rassembler. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Yes, that's it. Next, we add the eggs. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. So, let's mix them carefully, little by little. Alors, mélangeons-les soigneusement. Petit. Ah. Petit. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. petit, petit. C'est bien, ça a l'air bien. That's good, it looks good. C'est bien, ça. L'air. Bien. C'est bien, ça a l'air bien. C'est bien, ça a l'air bien. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Then, let's add flour and baking powder. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Voilà, c'est comme ça, non Here, it's like this, right? Voilà. C'est comme ça. Non Voilà, c'est comme ça, non Voilà, c'est comme ça. Non. Mélangeons doucement avec un fouet. Mix gently with a whisk. Mélangeons doucement avec un fouet. Mélangeons doucement avec un fouet. Mélangeons doucement avec un fouet. C'est ça. Et ajoutons de l'extrait de vanille. That's right. And let's add vanilla extract. C'est ça. Et ajoutons de l'extrait de vanille. C'est ça, et ajoutons de l'extrait de vanille. C'est ça, et ajoutons de l'extrait de vanille. Pour donner une belle odeur à cette pâte. To give this dough a nice smell. Pour donner une belle odeur à cette pâte. Pour donner une belle odeur à cette pâte. Pour donner une belle odeur à cette pâte. Ça sent bon. Alors, ajoutons du lait petit à petit. It smells good. Now, let's add milk little by little. To... Ça. Sans bon. Alors, ajoutons du lait petit à petit. Ça sent bon. Alors, ajoutons du lait petit à petit. Ça sent bon. Alors, ajoutons du lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse. To make a smooth dough. Pour obtenir une pâte lisse Pour obtenir une pâte lisse Pour obtenir une pâte lisse C'est vrai Il faut aussi préchauffer le four That's right We also need to preheat the oven C'est vrai Il faut aussi préchauffer le Four. C'est vrai. Il faut aussi préchauffer le four. C'est vrai. Il faut aussi préchauffer le four. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four. The smell of freshly baked cake. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four. C'est le meilleur, n'est-ce pas? Is the best, isn't it? C'est le meilleur. N'est-ce pas? C'est le meilleur, n'est-ce pas? C'est le meilleur, n'est-ce pas? Voilà. Verse la pâte dans le moule à gâteau. Here, pour the dough into the cake mold. Voilà. Verse. La. Pâte. Dans. Le. Moule. À. Gâteau. Voilà, verse la pâte dans le moule à gâteau. Voilà, verse la pâte dans le moule à gâteau. Et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. And all that's left is to put it in the oven to bake. Et Il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Yes, I'm looking forward to the baked cake. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Oui, j'ai hâte, oui, hâte de voir le résultat. Cette odeur me donne faim. This smell makes me hungry. Cette odeur me donne faim. Cette odeur me donne faim. Cette odeur me donne faim. Le gâteau est cuit. The cake is baked. Le gâteau est cuit. Le gâteau est cuit. Le gâteau est cuit. C'est une belle réussite. It's a great success. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée. Let's leave the cake to cool. Then add some whipped cream. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée. Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin? Yes, and if we sprinkle powdered sugar at the end. Oui. Si. Nous. Saupoudrons. De. Sucre. Glace. Ah. La. Fin. Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin Il sera parfait à l'œil. Il sera parfait. À l'œil. Il sera parfait à l'œil. Il sera parfait à l'œil. Je ne peux pas attendre pour le manger. I can't wait to eat it. Je ne peux pas attendre pour le manger Je ne peux pas attendre pour le manger Je ne peux pas attendre pour le manger Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde Yes, I'm looking forward to eating it with everyone Oui J'ai hâte de le manger avec tout le Monde. Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde. Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde. 3. Shadowing. La préparation du gâteau. D'accord, faisons un gâteau. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante. Et mettons-le dans un bol avec le sucre. Maintenant, en mélangeant rapidement, rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Regarde, ça commence à se rassembler. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. C'est bien, ça a l'air bien. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Voilà, c'est comme ça, non Mélangeons doucement avec un fouet. C'est ça, et ajoutons de l'extrait de vanille pour donner une belle odeur à cette pâte. Ça sent bon. Alors, ajoutons du lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse. C'est vrai. Il faut aussi préchauffer le four. L'odeur du gâteau tout juste sorti du four C'est le meilleur, n'est-ce pas Voilà, verse la pâte dans le moule à gâteau. Et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Cette odeur me donne faim. Le gâteau est cuit. C'est une belle réussite. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée et des fruits sur le dessus. Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin, il sera parfait à l'œil. Je ne peux pas attendre pour le manger. Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde. La préparation du gâteau D'accord, faisons un gâteau. Nous avons besoin de beurre, de sucre et d'amour. Oui, oui, commençons par ramener le beurre à température ambiante et mettons-le dans un bol avec le sucre. Maintenant, en mélangeant rapidement, rendons ce beurre et ce sucre crémeux. Regarde, ça commence à se rassembler. Oui, c'est ça. Ensuite, nous ajoutons les œufs. Alors, mélangeons-les soigneusement, petit à petit. C'est bien, ça a l'air bien. Alors, ajoutons de la farine et de la levure chimique. Voilà, c'est comme ça, non Mélangeons doucement avec un fouet. C'est ça, et ajoutons de l'extrait de vanille pour donner une belle odeur à cette pâte. Ça sent bon. Alors, Ajoutons du lait petit à petit pour obtenir une pâte lisse. C'est vrai. Il faut aussi préchauffer le four. L'odeur du gâteau, tout juste sorti du four, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Voilà, verse la pâte dans le moule à gâteau, et il ne reste plus qu'à la mettre au four pour la cuire. Oui, j'ai hâte de voir le résultat. Cette odeur me donne faim. Le gâteau est cuit. C'est une belle réussite. Laissons le gâteau refroidir, puis ajoutons de la crème fouettée et des fruits sur le dessus. Oui, et si nous saupoudrons de sucre glace à la fin, il sera parfait à l'œil. Je ne peux pas attendre pour le manger. Oui, j'ai hâte de le manger avec tout le monde. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. See you soon.